Moi, c'est Thomas, je suis entrepreneur in residence au M Studio et je travaille sur une plateforme de procurement en produits frais pour les restaurants du secteur informel. Avant de rejoindre le M Studio, j'ai fait un bachelor en finance à Bocconi à Milan. Puis je suis rentré en Côte d'Ivoire pour faire un stage en private equity. Après ça, j'ai décidé de changer un peu et j'ai fait un bootcamp en data science à Londres et après un master en data and analytics à London Business School à Londres. Après mon master, je savais que je voulais rentrer en Côte d'Ivoire pour entreprendre, mais en tant que first time founder, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et j'ai rencontré les équipes du M Studio et c'était l'opportunité parfaite pour entreprendre en étant encadré. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure avec les équipes du M Studio. En rejoignant le programme d'entrepreneur in residence, j'ai travaillé sur tous les sujets agri-tech et food-tech. Et en faisant mes recherches sur l'écosystème déjà existant en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, on s'est plutôt penché sur une verticale qui est l'approvisionnement en produits frais des restaurants du secteur informel. Tout seul, j'aurais pas forcément eu accès à toutes les personnes auxquelles le studio m'a présenté. J'ai pu rencontrer des acteurs importants du secteur de l'agritech, de la logistique, en Côte d'Ivoire et ailleurs, et également à des VC qui m'ont donné des informations très importantes pour l'idéation du projet. Si vous voulez entreprendre en Afrique, que vous sortiez à peine de l'école ou non, M Studio, c'est le cadre idéal pour commencer une aventure entrepreneuriale.